vous aurez bien eu. Non, cette vidéo, le Dishonored. Le Dishonored, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que genre maintenant il se passe, j'ai sauté plus haut? Attends. Ah oui, quand je maintiens l'espace, je saute plus haut. Ok. Bonjour, fais dodo. Reste là. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc dans le talon. Oui, une bourse. Une bourse. J'aime l'argent. Hop, toi là-bas. Ça me paraît une bonne idée de venir te mettre KO. Barre-toi. Ok, me barre. C'est bon, je m'en vais. Quoi, mort? Comme la tombe d'un baleinier. Il a au moins 50 piges. Ce type s'est battu pour l'impératrice. Un truc de dos. Puis reste là. Merci. Plus deux élixirs. Et quoi? J'aurais dit 25 mois. Regarde, je te dis qu'il y a 20 là, 5 chacun. Apprends à compter. Il faut que je te fouille, c'est ça? Lâche-moi, t'es. Toi qui as mon argent. Non mais je peux monter là-haut, non? Oui. Mais pas plus haut. Toi, tu fais dodo. Voilà. Ça a dû attirer son pote, je pense. Oui. Est-ce que... Bonjour, dodo. Fais gaffe parce que des fois les mecs, tu peux les faire tomber juste à côté d'un feu et ça peut les brûler en fait et les tuer. Donc il faut faire très attention. Quand tu essayes de faire une run peaceful. Quand tu t'en fous par contre. Ferme d'os. Ouais, mais d'ailleurs, il n'y avait pas un autre truc à trouver? Ah non, j'ai tout trouvé, il n'y a plus que la ruine là-bas. À 20 mètres. 7. J'aurais mieux d'aller voir par là. Je voulais te bouffer, le rat, viens ici. Merci. Là-haut. Fais dodo, mon grand. Fais dodo. Voilà. C'est très bien. Gentil petit. Fais dodo dans les escaliers. Ça devrait pas te tuer, t'en fais pas. Tu l'as pas tué, on est d'accord. Non, c'est bon. Le mec, il dégringole les escaliers, la tête la première. C'est bon, il y a envie. Hein. Pas de problème. Voilà, une ruine. Alors, pourquoi allons-nous utiliser cette rune? Pouvoir. Pour absolument rien, parce qu'on en a qu'une. Hein? C'est rien. Ton sang. Bonjour. Ton sang. Bon, d'accord, je me casse. Non, il m'a perdu là, il m'a perdu. C'est plus où je suis. Aïe! Salaud, il sait où je suis en fait. Voilà. Mais c'est bon, laisse-moi tranquille, du tard.
Pardon. On va vous appeler. Non, vous ne m'aurez pas. Voilà. On ouvre. Et on est bon. C'est vrai qu'un peu de résistance, ça me ferait pas de mal. Mais bon, je suis en difficulté normale, donc on s'en fout, je prends rien. Alors lui, de toute façon, je sais qu'il est seul. Donc... on dit que... J'arrive, mon pote. Hein. Oui, ta gueule. Superviseur Martin. Martin. Agent secret. Je sais plus la ce suite. Ce masque vous va ravir. Je sais qui vous êtes et ce que vous venez faire ici. Tant mieux pour toi. Je peux vous aider. Libérez-moi et je vous paierai un verre dans quelques jours. Ok. Ça fait du bien d'être debout. Merci, Corvo. Y'a pas de quoi. Votre mission de ce soir est de la plus haute importance. Il faut trouver Emily, donc tuer Campbell. Et tuer le vite. Y'a moyen de pas le tuer ? Quand ce sera fait, récupérez son journal. Son fameux livre noir. Ensuite, filez. Campbell s'entretient avec l'officier Curnow. D'après mon informateur, Campbell va vouloir l'empoisonner. Peut-être pouvez-vous en tirer avantage ? Bien. Ouais, j'aurais utilisé son poison contre lui. Mais y a pas moyen de pas le tuer, parce que... il me semble que je ne suis pas sans... Y a moyen... Enfin, le jeu en 100% peaceful, tu es justement pas censé tuer les mecs. Même si le jeu te le dit, même si le jeu te demande de les tuer, tu dois trouver un moyen de pas les tuer. Ouh, c'est intéressant ça. Je suis où? Je suis là. Le bureau, il est là. Et là, c'est vers l'arrière-cour. Ok, ça me va. Je peux sauter là-haut? Oh, presque. Vas-y, saute. Oui. Le mec, il est capable de faire des doubles sauts, quoi. J'ai lu quelque chose sur le stigmate dans un livre des archives. En fait, c'est pas des sauts doubles sauts, c'est des sauts boostés. Tu peux pas, en fait, appuyer deux fois sur l'espace. J'ai jamais vu personne l'utiliser. Tu dois maintenir. C'est extrêmement rare. Mais j'ai déjà vu le visage d'un stigmatisé. Un ancien membre de notre ordre, bien sûr. Lors d'une retraite, nous l'avons vu mentir dans un village de pêcheurs. Canon à l'esprit, tu n'as rien à craindre. Oh! Mais attends. Est-ce que je peux genre aller sur l'arbre ou pas? D'accord, il est pas tangible. Est-ce que je peux genre monter sur le. Oui, je peux monter dessus, parfait. Donc je peux aller là-haut. Parfait! Ouh, c'est beau ça. Ah, il faut que j'évite de trop utiliser vite les pouvoirs parce que sinon ça... Est-ce que c'était de l'orage? Parce que sinon ça va pas... D'accord. J'aurais pensé pouvoir couper ça. Si j'utilise trop vite les pouvoirs, en fait, ça se régénère pas. Il n'y a rien à récupérer ici, on est d'accord. Ah si, il y a deux runes. Puis par là-bas, il n'y a rien. Ok, donc deux runes dans le level. Ça me va. Sont toutes les deux dans le bureau. Enfin, dans la zone du bureau. Alors, il y a toujours plusieurs chemins possibles pour atteindre votre but. Rue principale, ruelle, fenêtre, tunnel de rat, toit et voie navigable. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Vous en faites pas, j'ai déjà commencé. Hein. The fuck? D'accord. Ah bah cool. Tu as participé aux fouilles la nuit dernière? Et comment? 6 heures à fouiller le bâtiment et rien d'autre à grailler que ce qu'on fourre. Et en plus on n'a rien. Je peux pas rentrer. Je t'ai dit qu'une fois, un des volets du premier étage s'est coincé
et que j'ai essayé de prendre la tangente. Et j'ai pas pu descendre. Et le temps que je revienne, il s'était refermé. J'ai dû attendre la fin de l'alerte sur un rebord de fenêtre. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Putain, mais je vois que dalle! Je vais arrêter de regarder, il n'y a pas besoin de regarder. Par contre, là-haut. Voilà! Comme ça, on passe. Comme il faut. Stigmate, pourquoi? Quoi? Non létal, quoi? Quoi? C'est écrit un truc, c'était écrit un truc. Non létal, rendre le grand superviseur Campbell inconscient. C'est tout? C'est tout. L'histoire d'inconscient. Bah ça va, c'est pas pour lire. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une bourse. Bon, y'a rien. Bah ok, je veux bien. Mais ma question, c'est comment? Bah déjà, il faut que je trouve. Donc c'est très certainement pas en restant ici que je vais le trouver. 7. Et descend. Bonjour, vous. Non! Il a failli se lever, ce con. Fais dodo. Écoute, je te mets... Bah, sur la fenêtre, hein. Ça me paraît bien. Petit rebord de fenêtre. C'est un bon endroit. Il sera bien. J'espère qu'il bouge pas dans son sommeil, par contre, parce que... Sinon, bah... C'est pas ma faute. Moi, c'est non létal. J'ai prévu qu'il bouge pas. Il y a quelqu'un juste derrière la porte. Hein? Chut. T'as rien vu? Merde, ils ont vu! Chargé parti. C'était quoi la dernière sauvegarde? Il y a 3 minutes. Ok, je prends. Oui. Ah merde, c'est au moment où je suis rentré. Oh putain. Et en plus, on n'a rien trouvé. Je t'ai dit qu'une fois, un des volets du premier étage s'est coincé et que j'ai essayé de prendre la tangente. Et j'ai pas pu descendre. Et le temps que je revienne, c'était refermé. J'ai dû attendre la fin de l'alerte. Ah d'accord, juste en sautant, ça marche aussi. Ok. Donc, je récupère ça, je récupère ça. Alors, marquage des hérétiques, blabla, lorsqu'il est utilisé, blabla. Hein? Ici. Attends, la salle est équipée pour le marquage par stigmate. En cas de besoin, le condamné doit être sanglé. Petit marquage est aussi gardé dans la même pièce. Ok, bon ben, on s'en fout. Le suspect est un homme, la trentaine plutôt mince. Des tatouages bizarres sur le torse et le visage. Des marques hérétiques. Vas-y, saute. Oh merde. Vas-y, saute. Sûrement dérobé dans l'une des usines baleinières. T'es un gars d'aude, pas vrai? Hein? T'es un gars d'aude? Hein? C'est pas du tout ce que je voulais faire. Le con, il a pété le radiateur. Ils étaient pas deux. 6. 7. Oup. Oh, par là.
Il y a trop de monde ici, puis il n'y a pas besoin de venir ici. Quoi? Ah, c'est bon, j'ai du fléchette anesthésiante. Votre nièce, Calista, n'est-ce pas? Nous la trouvons. Les hommes passent la ville au Painfin. Pauvre enfant. Calista est une femme ingénieuse. Elle a sûrement trouvé à se réfugier quelque part. 22 mètres en dessous. Ils sont où? Par où ils vont rentrer? Mais... Vous serez arrivé quand ce sera terminé. Trouvez-vous de quoi vous occuper en attendant? Il y a un truc là-bas à récupérer. Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là. Oh, ne m'en parlez pas. Toute cette histoire pour une cata. Prendrez-vous du vin? C'est un rouge de Tivia. Merci. Qu'est-ce que... Qui est venu ici? Oh, acceptez toutes mes excuses, capitaine. Vous devez me prendre pour un bien mauvais hôte. Bon, je vais devoir me salir les mains. Je vous demande pardon. Pourquoi t'as sonné la gare? Oh! Attends! Attends. 31? Bah, c'était pas tout de suite, quoi. Où est-ce que t'as sauvegardé le jeu? Là. Ok, je vais renverser les verres. Calista est une femme ingénieuse. Elle a son se réfugier quelque part. Je vous préviendrai si mes superviseurs découvrent quoi que ce soit. Oh. La discussion passera de temps. Tiens. Un domestique a dû la fermer en sortant. Comment je fais pour garder les deux en vie? Pas celle-ci. Comment je fais? Ah, là voilà. Bah, je suis trop lent pour recharger l'arbalète, donc je ne peux pas. Je vais relever quand ce sera terminé. Je peux trouvez-vous pas aller choper les deux. En attendant. Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là. Oh, ne m'en parlez pas. Toute cette histoire pour une cata. Prendrez-vous du vin? C'est un rouge de Tivia. Merci. Qu'est-ce que. Qui est venu ici? Pour accepter toutes les excuses. Réfléchis. Vous devez me prendre pour j'ai un. J'ai pas moyen d'abattre deux cibles discrètement en un coup. Je vais devoir me salir les mains. Je vous demande pardon. Rien du tout. C'est un coup de chance pour vous, capitaine. Je vais devoir déboucher mon meilleur cru. Laissons les hommes ici. Nous devrons le partager avec eux. À votre guise, Campbell. Tant que nous réglons notre petit problème. Ok. Oula, j'aime pas très beaucoup ça. 7. Vite, hop. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que je ne peux tuer aucun des deux. Donc il faut que je trouve un moyen de les avoir les deux, mais discrètement. Où il y a des gardes. Ouais. Ok.
D'accord, à la limite. Intéressant. Qu'il est de Sokolov à Sedim. Ses coups de pinceau comme frappés sur la toile dégagent une énergie presque sauvage. Vous m'en direz tant. Je dois vous avouer que ce n'est pas vraiment... Je vous remercie. Même si je devrais plutôt vous arrêter. Vous me dites quelque chose. Même avec ce masque. Peu importe. Restons-en là. C'est pour bon. Cette fois. Allez-vous-en. Ok. C'est cool, il m'en veut pas. Non, je pense. Ouh. Vas-y. Maudits soient ces imbéciles qui ont laissé Corbeau s'enfuir. Cet homme est capable de tout. Hiram ou le Lord Régent, comme il souhaite qu'on l'appelle. Voilà. Ouh, 300 pièces, putain, ça vaut cher. Système de sécurité que Sokolov a placé dans toute la ville. Alors, il n'y a pas moyen qu'un homme adulte se tienne là-dedans. Alors, poutchou poutchou, 6, il nous en reste. Bah, il nous reste rien. Bah. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant qu'il est. Bah, il a sommé, qu'est-ce que tu veux que je fasse, le jeu? On l'étale, placer Campbell sur la chaise. Quoi? Ça va être chaud de faire tout le chemin avec lui. Mais enfin, si tu insistes... Attends, je peux faire des sauts avec des... Ah non, je... Si. Putain, je peux faire des sauts. Je peux faire des sauts avec des mecs. F9. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Attends. Si je monte et que je regarde par la serrure... Est-ce que je vais genre le voir? Non. D'accord. Ça me fait chier, lui. Voilà. Limite qu'ils descendent. Faudrait que je m'en débarrasse de façon non létale, comme ça je peux emmener l'autre con sans trop de problèmes. Bah. Viens avec moi, toi. Oui, qu'aucun d'entre eux ne sonne la garde. Enfin, ne sonne l'alerte. Trop court. Hop. Toi, je te ramasse. Hors de question que quelqu'un le voit, lui. On va mettre en haut dans le coin. Personne ne le verra ici. Là.
plus stuff. Et vous, mon grand superviseur, vous venez. On est parti. On est parti. Hop. On attend que ça recharge. Parfait. Bon bah pour l'instant la mission se déroule bien. Juste aller jusqu'à la salle des interrogatoires, puis on est bon. On est goldé. Ça peut pas être celui de la fenêtre qui s'est réveillé, celui-là. J'y croirais pas. Bah attends, je peux passer par là. Bingo. Oui. Alors. Je ferme. Je pose Campbell là. Dodo. On ferme la porte. Passe dans derrière tes autres mecs. Et toi, je te mets là-dessus. Et on est bon. Et on te marque un petit coup. Parce qu'on sait que t'aimes ça. Mais je l'ai pas chauffé. Comment ça marche? C'est tout? Bon. Cool. Sept. Hop, hop. Mais merde, elle va te faire foutre. Ensuite, bah, il n'y a plus qu'à sortir. Puis on est bon! On a fini cette mission! Oui! Putain, ça s'est mieux passé que ce que j'aurais pensé. Il a cru me voir, mais il me voit plus. Il se demande légèrement ce qu'il a vu. Comment je vais faire par contre? Parce que lui, il est pas question que. Comment je vais arriver jusqu'à Samuel? Il me fait chier lui. Vous pouvez pas venir me chercher dans ce bâtiment, non? À te faire foutre. Hop. Hop. Je peux aller là-dessus? Ouais, j'avais l'impression que non. Hop. Hop. J'ouvre. Voilà, arrière-cour, on y est presque. 6. Oh, il y a... Oh! Ils font exprès pour pas que je finisse la mission trop vite. D'accord, il y a un charme d'os, je me souviens exactement d'où il est. 7. Hop. Puis là, je pourrais atteindre Samuel, hein, il n'y a pas de problème. Mais d'avoir le charme... qui est dans cette pièce. Je suis pas en forme, c'est tout. Si vous vous souvenez ça bien. Ça ne sert à rien, c'est 6. La peste. J'ai un goût de sang dans la bouche. Non, il est là. Ça fait des jours. Voilà, c'est par là qu'on la tient, qu'on la teint. Hop, ici de toute façon, il n'y a que des rats. Il n'y a rien d'autre. Ah, la santé. Et un autre livre.
ton lit. De l'argent. Alors, j'ai eu cette rune, mais j'ai pas du tout regardé ce que c'était. Alors, je vais regarder sur le stream. Qu'est-ce que c'était ? Combattant agile. Intéressant. C'est peut-être un truc bien. Combattant agile. Vous pouvez vous déplacer avec vos armes dégainées sans être ralenti. Bah alors, clairement. Attends. Ah. Ça, c'était sûrement les rats. C'est sûrement des rats. Alors, tab. Mais ça sert à rien en fait. Ouais non, ça me sert à rien moi. Pff, inutile. Donc, on a une rune là-bas et un charme d'os là-bas. Ok. 7. On monte. Merde. On monte. Oh, vas-y, ça passe. Allez, voilà. Donc, 6. Là, on a la rune. Là, on a le charme. Ok. J'ai l'impression qu'il y a... Oh, putain. Vraiment ? Va falloir passer autrement. Bon, là il y avait une porte en bas. Chier. Faudrait la clé de l'atelier, j'ai pas la clé. Tiens, une seconde, qu'est-ce qu'on a là-haut? Oh, wait, je peux passer par là. Chien explosé. Quoi? Ok. C'est quoi ça? Bouteille suspecte. Oui, mais je veux la voir. Pourquoi il y a une clé dedans? Du coffre de l'atelier. Ah, intéressant. L'efficacité de l'appareil d'Holger est indéniable, tout comme la beauté mathématique de sa musique. Après avoir vu si souvent son effet contre les pratiques interdites, impossible d'en douter. Mais il reste une question délicate. L'incantation est-elle une forme de magie noire? Que renferme ces précieuses boîtes? Quoi ça sert ça? Et pourquoi? Ouh, il y a plein de trucs intéressants, putain. Hop, hop. Non, ça on s'en fout. Mais y a rien ni personne ici. Bizarre, il est où l'autre truc? 37 mètres là derrière. Chier. Je vois pas à quoi elle sert cette manivelle. Peut-être que si j'avais lu la doc. Je ferme ça. Alors. À quoi elle sert? Pas bonne question. Hop. Bref, on s'en fout. Oui, je saute plus haut que Mario. Oup. Hop. Ils y ont cru, les mecs. Hein. Vous me prenez pour un amateur. Ouh, des rats. D'accord.
Le charme d'os. 7. Hop. Ah ouais, d'accord, nombre les rats. Le charme d'os est sur le bureau. Donc si je reste sur le bureau, tout devrait aller bien. Pourquoi il mieux? Et bon. Et coup de chance, J. Mais on va voir, coup de chance, très faible chance de que votre mana soit restaurée entièrement par une potion. Ça me va. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller voir Samuel et on est bon. Oui. Je me permets de courir, hein, de toute façon, il n'y a personne qui va me voir. Parce que là, on est safe. Littéralement, il n'y a plus aucun danger. J'ai récupéré tout ce qu'il y avait dans la zone. Donc on est bon. Les chiens, par contre, j'ai appris qu'en fait, tu peux les tuer. Donc, genre, tu peux rien tuer dans le jeu, si tu veux faire la meilleure fin. Mais les chiens, t'as le droit. Donc, PETA, prends ça. J'arrive, ça mumu. Ça mumu. Oui. Non, non, c'est pas moi. Voilà. Voilà, mon pote. J'ai fini. C'est Samuel. Let's go. Après ce que j'ai entendu, Campbell a vécu dans le luxe. J'ai peut-être pas le droit de dire ça, mais je pense que les hommes d'église ne devraient pas vivre comme des barons. Vous êtes prêts à partir? Attends, c'est un homme d'église? The fuck? Ok. Eh ben, let's go. Ah, ça s'est bien passé. Allez, on va. Ouais, j'ai pas tout. Quoi, rune 6 sur 7 trouvée? Quoi? Mais... Quoi? Mais... Il y en avait plus? Je comprends pas. Bon, moi j'ai oublié une rune. Je sais pas comment j'ai fait. L'amiral Havelock et Lord Pendleton sont dans la cour. Je suppose qu'ils veulent nous féliciter. Peut-être. Bon bah du coup on va s'arrêter là, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et d'avoir suivi ce live, et à une prochaine, bye bye.